Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour, non pas vous présenter, parce que je vais découvrir en même temps que vous, mais pour justement découvrir la nouvelle boîte qui vient de sortir pour Horreur à Arkham JCE, qui s'appelle Renouveau, la nuit de la Zélatrice. Alors, j'ai regardé sans regarder, parce que comme j'avais un petit peu arrêté de... Enfin, c'est pas que j'avais un peu, j'avais totalement arrêté d'y jouer. Si vous avez vu ma vidéo précédente sur la Deluxe, voilà, je vous disais que j'avais pas joué depuis la boîte de base, et je n'ai toujours pas rejoué à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Donc du coup, j'avais un petit peu arrêté de regarder le jeu. Mais en gros, cette boîte-là, ils vont rajouter des cartes scénario qui vont venir compléter la boîte de base, qui va venir l'enrichir. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des cartes qui vont remplacer des cartes du deck de rencontre, s'il va y avoir des chemins supplémentaires dans l'histoire. Apparemment, il y a des nouvelles cartes joueurs, il y a des séparateurs, il y a cette boîte de rangement. Et franchement, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre, on va regarder. Moi, je m'attendais à du vieux carton pourri FFG, comme des fois les boîtes de tournoi qui nous filaient. Et je suis très surpris parce que c'est du carton. Bon, ok, c'est du carton, mais c'est vachement dur. C'est vraiment une vraie boîte vraiment sympa, quoi. Super cool. Bon, allez, on va regarder ensemble. Alors, hop, hop. Tac. Alors, je vous avoue que ça m'a pas mal démangé également depuis hier, donc je tourne cette vidéo le samedi 30 juin, et donc ça s'est sorti hier et ça m'a démangé de l'ouvrir depuis hier, et je dis non, je ferai ça en vidéo. Hop, alors toc, waouh, ouais, franchement c'est du vrai gros carton, c'est pas les boîtes de tournoi à la con là. Sympathique. Alors, on va faire une petite mise au point. Renouveau, la nuit de la Zélatrice est une extension pour Horreur à Arkham, le jeu de cartes qui modifie et développe la campagne La nuit de la Zélatrice de la boîte de base. Qui modifie et développe. Bon, bah voilà, hein. Je crois qu'on a notre réponse. Cette extension contient plusieurs sets de rencontres inédits, des intercalaires pour classer votre collection, et de nouvelles cartes joueurs que vous pourrez utiliser pour personnaliser je sais plus lire, pour personnaliser vos decks investigateurs. Ok, c'est super. Comment utiliser cette extension? Débuter normalement une campagne La Nuit de la Zélatrice ou un scénario indépendant en utilisant les instructions de mise en place du guide de campagne La Nuit de la Zélatrice. Cependant, lorsque vous mettez en place un scénario en utilisant cette extension, cherchez la nouvelle carte scénario intitulée Renouveau, nom du scénario. Et suivez également les instructions de mise en place supplémentaires indiquées. D'accord. Donc il y a effectivement des sets de rencontres qui utilisent les mêmes icônes qu'auparavant, mais qui ont l'indication Renouveau. Chacune de ces nouvelles cartes scénario est incluse dans l'un des sets de rencontres suivants qui modifie et développe le scénario original. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, il faudrait regarder dans le détail. Ces sets de rencontres contiennent de nouveaux défis et de nouvelles versions d'anciennes cartes. Lorsque l'on vous demande de réunir l'un de ces sets de rencontres, suivez les instructions de la nouvelle carte scénario. Certaines de ces cartes remplaceront d'anciennes cartes, tandis que d'autres seront mises de côté ou mélangées dans le deck de rencontre. Ah ah. Cette extension contient également deux sets de rencontres entièrement nouveaux qui vont remplacer deux sets de rencontres de la boîte de base. La vache! Et c'est ces deux sets-là. Ok. Bon, c'est pas mal ça. Bah, vous voyez, moi qui redémarre, bah c'est nickel. Les ghouls de machin sont remplacés, enfin remplacent le set de roquettes. Ok, enfin, c'est ce qu'on vient de voir là, on s'en fout. Lorsqu'on vous demande de rassembler l'un de ces sets de rencontres, il remplace le set de rencontres original issu de la boîte de base. Retirez ce dernier de la partie et utilisez le nouveau set comme indiqué ci-dessus. Variante optionnelle.
afin d'ajouter du chaos, lol, et de la rejouabilité, lol également, parce que ce jeu il est ultra rejouable, je trouve. Vous pouvez mélanger ensemble l'ancien et le nouveau set de rencontres, puis prendre au hasard un certain nombre de cartes pour créer un nouveau set de rencontres. Ah ouais, pas mal. Oui, effectivement. Icône d'extension. Les cartes issues de Renouveau, la nuit de la zélatrice, peuvent être identifiées grâce à ce symbole placé devant le numéro de la collection de chaque carte. Donc c'est celui-ci. Note, certaines cartes de cette extension sont des versions alternatives de cartes issues de la boîte de base. Afin d'empêcher les joueurs de les distinguer, le recto de ces cartes porte les mêmes mentions légales, numéro, blablabla, que... Ok. Liste d'exploits. La liste ci-dessous est une liste d'exploits que vous pouvez chercher à accomplir lorsque vous jouez la campagne La Nuit de la Zélatrice. Ces exploits ne peuvent être accomplis qu'en utilisant les sets de rencontres de renouveau. Ok, chaque fois que vous accomplissez l'un de ces exploits, noircissez la case adjacente. Donc on a toute cette petite checklist à griser. Donc on a vraiment de quoi se faire un bon petit challenge. Alors, la vengeance de la zélatrice. Faites en sorte que la capacité réaction de Lita Chandler inflige le coup fatal au prêtre ghoul. Waouh ! Ah ouais ! C'est génial ! Je ne lui fais pas confiance. Lorsqu'on vous donne la possibilité d'inclure Lita Chandler dans votre deck, refusez cette proposition. Génial ! Ah ouais ! L'assurance ne couvre pas les ghouls. Brûlez votre maison dans le rassemblement. Ok. Suis-je obligé d'y aller ? Dans les masques de minuit, faites en sorte que chaque investigateur reste dans votre maison lors des trois premiers rounds. Pas mal ! Ok, bah après j'ai un peu peur de lire parce que si vous n'avez pas joué comme moi trop, il y a peut-être des trucs qui... Bon, c'est la boîte de base, hein, mais... Bon, après vous avez compris, je pense que voilà, c'est une checklist et vous avez des petits challenges à faire comme ça. Et ben, je trouve ça super, super, super cool, vous voyez. Franchement sympa. Je sais plus combien ça vaut, ça vaut 22€. Ouais, bon, on fera le compte après. Mais ouais, je pense que ça a l'air de valoir le coup. Hein. Alors ça, c'est une cale. Ok, on s'en fout royalement. Quoi qu'on peut replier le bord là, et on continue à s'en foutre. Voilà, donc, ça c'est la boîte. Alors, je ne comprends pas. Il y a une personne qui m'a dit que la boîte n'était pas assez grande pour ranger les cartes slivées. Bah si. Je comprends pas quel était le défaut juste. On peut même... Non. On ne peut pas les faire la mettre debout. Parce que dans ce cas-là, on peut mal fermer. Mais on peut la mettre comme ça. Je comprends pas quel est le souci. Largement de la place de mettre ces cartes. Ça m'étonnait quand même. Enfin, ça m'étonnait. Ça aurait pu être très dommageable de la part de FFG. Mais bon. Alors ça, ce sont... Les séparateurs, non mais alors ça par contre, bon, on va pas se plaindre outre mesure parce qu'ils viennent de le sortir, donc c'est cool. Mais franchement, ils auraient pu sortir la boîte et les séparateurs hyper rapidement, quoi. Là, tout le monde a déjà des solutions de rangement, etc. Enfin bon, bref. Et puis même là, du coup, il n'y a que la boîte de base. Ils vont très certainement nous sortir ça pour les autres campagnes, mais quand? Et du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas ranger vos cartes de la campagne 1, 2, 3 tout de suite. C'est quand même un peu limite. Ben voilà, voilà ce qu'il fallait depuis le début. Regardez, des intercalaires avec les symboles des textes de rencontre. Mais voilà, c'est parfait! Mais franchement, moi qui recommence là, mais oh là là, c'est génial. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas... Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Hop, bon, je peux pas trop... Alors si, attendez, je vais faire un truc. Hop, voilà. Vous mettez vos cartes comme ça, et puis vous séparez à chaque fois les decks de rencontre, les sets de rencontre avec les séparateurs. C'est super. Enfin, c'est tout con, mais c'est super, voilà. Hop, ensuite... Au niveau des cartes, alors, ils mettent jamais d'ouverture
facile. Et quand vous avez la polio comme moi, hop, c'est pas un paquet de plastique qui va nous arrêter quand même. Bon bah du coup, alors désolé, je redescends la caméra. Hop. Ah oui, vidéo Ludiworld, hein, c'est toujours de l'impro. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Alors, ça, c'est une carte qui existait déjà dans la boîte de base. Bon, bah, j'ai pas les cartes avec moi. Je suppose celle-ci à 2 XP. Je suppose que la version qu'on avait était à 0 et ou 1, je ne sais plus. Enfin, 0 sûr, en tout cas. Peut-être qu'on avait eu déjà une version expérimentée à 1. En tout cas, c'est une version à 2. Fourni en 2 exemplaires. Ok, on a bien l'icône qui l'identifie comme carte de ce set. Explosion de dynamite. Alors ça, je suis quasi certain qu'on en avait une à très fort coup d'XP. Je sais pas, j'étais resté à 4. Est-ce que je me trompe? Choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur. Ouais, je me souviens de cette carte. Je suis certain qu'on l'avait. Hyperconscience, c'est pas une nouvelle carte. Or tiens, pourquoi on l'a qu'en un seul exemplaire? Ah non, ok, c'est juste moi qui ai abruti. Hop, hyperconscience. Oh là là, mais je fous le bordel dans mes cartes. Ça faisait quoi déjà ça? C'est un soutien, talent, dépenser une ressource, on gagne plus en bouquin et plus en agilité. Ah ouais, je crois que c'était pas mal ça. Pas mal, pas mal. C'est la version à 2 XP. Ça aussi, on l'avait, barricade. C'est une version améliorée. Alors, comme je connais plus les cartes d'origine, bon, c'est difficile de les comparer. En tout cas, c'est une version à 3 XP. Attachez cette carte à votre lieu. Les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché ou y être générés. Ça, c'est cool. Chaque fois qu'un ennemi devrait être généré dans le lieu attaché, générez-le dans le lieu, dans un lieu connexe à la place, si possible. Quand un investigateur quitte le lieu attaché, défaussez la barricade. Bah ouais, c'est hyper logique. Il y a une thématique dans ce jeu-là. Coup dur, ça on l'avait aussi, c'est la version à 2 XP. C'est un peu comme hyperconscience, mais chez les truands, ça fait gagner de la force et de l'agilité. Gagner 10 ressources pour 5, XP 2, ça on l'avait, pareil, mais version XP différente. Étude des arcanes, c'est la version mystique des autres cartes qui transfèrent des variables. Donc là, vous augmentez votre volonté et intelligence. Enfin, la tête et le bouquin, là, j'ai plus les noms, hein, vous m'excusez. Mémoire effacée, tiens. Quelle est la différence? On est à 3 XP pour 1 de thune, rapide à jouer après le début d'une phase. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu. Jusqu'à la fin de la phase, cet ennemi perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits, et ses valeurs de dégâts et horreur sont réduites de 1. Wow. Se surpasser en version 2 XP, bah, c'est la version des survivants qui augmente la tête et l'agilité. Pâte de lapin en version 3 XP. Ça faisait piocher la version originale, je crois. Après que vous avez échoué un test de compétence, inclinez la patte de lapin, cherchez une carte parmi les X cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez les cartes restantes de votre deck. X est le nombre de points manquants pour réussir ce test. Ouais, bon, c'est de la pioche un peu sélective. Et là, donc c'est les cartes qui vont remplacer les cartes des sectes de rencontre. Donc on a le nouveau symbole. Bon, je pense que là, on va pas trop regarder. Voilà. Renouveau, le rassemblement. Effectuez la mise en place comme indiqué dans le guide de campagne La Nuit de la Zélatrice en tenant compte des exceptions suivantes. Quand vous réunissez les sets de rencontre, réunissez également les nouveaux sets de rencontre pour renouveau au rassemblement. Et là, vous changez, du coup, retirez de la partie l'acte la piégée et remplacez-le par le nouvel acte mystérieux portail, suite au verso. Retirez de la partie le lieu étude d'origine
et remplacez-le par le nouveau lieu étude, portail aberrant. Ah putain, cool! Mettez en jeu les nouveaux lieux, aile des invités, chambre à coucher et salle de bain. Retirez de la partie de lieu vestibule d'origine. Prenez au hasard l'un des deux lieux grenier et l'un des deux lieux cave et mettez-le de côté hors jeu. Retirez de la partie l'autre exemplaire du grenier et de la cave. Mettez de côté tous les autres lieux hors jeu. Ah ouais, non mais d'accord, du coup, ils ont vraiment mystérieux portail. Ok, c'est cool. Oh, ok, donc il y a les nouveaux lieux. Trou dans le mur. Oh là 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 là. Renouveau, les masques de minuit. Effectuer la mise en place, sauf qu'on remplace les sets de rencontres. Ok. Constituer le deck intrigue en utilisant l'un des deux exemplaires de l'intrigue 1A, prédateur ou proie, pris au hasard. Sans regarder leur verso, retirer de la partie l'autre exemplaire. Et ça, je suppose que c'est 1A. Ok! Et c'est génial! Prenez au hasard l'un des deux lieux quartier. Ouais, ok, bon, ok. On fait les. Comme d'hab, hein, ça nous indique exactement ce qu'il faut faire pour la mise en place. Et donc, on a la même chose pour le dernier scénar de la boîte de base. Eh ben, franchement, bon, je vais pas lire, hein, vous l'aurez compris. Ça change le setup, ça change certains trucs. Donc franchement, je trouve ça très, 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 très bien. Vous voyez, je préfère être franc, j'étais assez sceptique quand j'avais vu l'annonce. Je me suis dit, allez, la boîte, ça va être un truc encore merdique. Eh bien franchement, bon, c'est du carton, mais elle est très bien. Les séparateurs, c'est très bien. Allez, on peut estimer qu'une boîte comme ça, si on veut que ça soit une affaire... Moi, entre 5 et 8 euros, je trouve que c'est vraiment bien. Elle est quand même décorée Arkham et tout. Hop, on va augmenter, remonter, je veux dire. Elle est quand même vachement bien décorée, elle est sympa, il y a l'aspect un peu carton granuleux. Puis c'est du plastique rigide. Donc moi, allez, franchement, 5, 8, 10 euros avec les intercalaires. Allez, quand on est collectionneur, une boîte comme ça, pourquoi pas. Allez, 8 euros, moi je dis, ça vaut le coup. Ensuite, on a des cartes en version améliorée. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon, 9, 10 nouvelles cartes en x2. Ça fait 20 cartes. Ça fait un tiers d'un Mythos Pack. Donc, allez, ça fait 5 euros de cartes. Donc, pas mal. Et puis après, on a les dérivations pour les trois scénars de la boîte de base. Donc là, encore une fois... en fait, c'est comme si vous aviez en gros un nouveau pack quoi, à 15 euros. Et puis vous avez la boîte avec les intercalaires pour 5-8 euros. Bah, écoutez, on est pile poil dans le prix. La boîte, elle vaut 22,50 euros. Donc, bah non, franchement, vous voyez, moi je trouve que c'est une très, très, très bonne idée. Je conseillerais même à des personnes qui veulent commencer le jeu d'acheter ça, à mon avis, en tout premier. Alors, sauf si vraiment vous avez envie de découvrir une nouvelle histoire, etc. Mais justement, avant de pousser, à mon avis, dans Dunwich et les autres campagnes qui ont l'air vraiment ouf, je pense que autant essayer de rincer la boîte de base et de la rejouer de façon intéressante au plus possible. Et en tant que premier achat, bah voilà, vous avez votre boîte, vous rangez tout dedans, etc. Je trouve ça super. Ouais, et ben écoutez, je suis plus que convaincu et satisfait. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos sur Arkham. Salut, salut tout le monde!